Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Salut à tous, c'est Chéri Carré, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play. Alors je me suis fait un petit plaisir, j'aime bien revenir dans des jeux que je faisais pendant mon adolescence. Et celui-là remonte à la PlayStation 1 quand j'ai commencé à le tryhard un petit peu, quand j'ai commencé à y jouer. Je jouais sur la PlayStation 1 et là franchement quand j'ai vu qui était sorti, enfin... J'ai pas joué au 2, j'ai pas joué au 3, mais quand j'ai vu qui était sorti sur, qui était remasterisé sur PS4, je me suis dit, allez chichi, fais-toi plaisir, prends-le, saute dessus tout de suite. Et c'est ce que j'ai l'intention de te faire, donc voilà, petit let's play, ça va être Spyro, mais ça sera le 1, le 2, le 3, hein, je vais pas m'arrêter en plein milieu. Enfin, sauf si t'aimes pas, tu vois, j'arrêterai de le faire en vidéo, mais voilà, tu vois, c'est... J'ai vraiment l'intention de te le faire à fond, hein. Alors là, c'est la règle de confidentialité. Si t'as envie de le lire, tu le lis. Moi, j'ai pas envie. Voilà, première partie. Alors là, c'est le monde des dragons. Et ceux-là, c'est. Les deux autres, je les connais pas du tout. Celui-là, je l'ai vraiment fait. Enfin, j'essaie de le faire à 100%, avoir tous les diamants qu'il fallait, etc. Tous les rubis. J'ai un vague souvenir de ce qu'il fallait faire. Mais je m'en souviens pas du. Bah, quasiment pas, tu vois. Il y a que le premier niveau que je me souviens, et encore. C'est assez compliqué. Donc il va avoir un épisode par monde à peu près. Si le monde a duré moins de 5 minutes, etc., je te ferai peut-être un deuxième ou un troisième épisode. Mais voilà, il y aura... Bah, il y aura... Comment dire? Il y aura un épisode par vraiment par ville que je vais aller, par monde que je vais aller. Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors, ou bien est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastig Norg, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Norg est une créature simple. Simple? Il a été exilé dans un autre monde, et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace? Et en plus, il est moche. Moche? C'est le bouquet! Oh. Hein? On dirait que je vais avoir du travail. Alors oui, voilà ce que je te disais, je te ferai par monde, enfin par monde, par t'as plusieurs petits niveaux, tu vois, par monde, et un niveau, ça sera une, ça sera une vidéo. Alors notre objectif, c'est de ramasser vraiment tous les dragons, les diamants, après s'il en manque, c'est pas très très grave, mais le principal, ça sera vraiment tous les dragons. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastig Norg, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, carré... Ok. Ok, roulade. Ok. Alors j'essaie de m'en mettre un petit peu avec les touches, hein, c'est pas évident. Oui, Gnastig Norg, je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparks, et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Alors ça fait plutôt enfantin comme jeu. Voilà, et de 1. Le deuxième, je sais plus, je crois que... Attends, non, là. Là c'est le voleur. Viens ici toi. Hop. Ok. Alors, t'as le voleur, là t'as un... Alors les rouges c'est un diamant,
Les verts, c'est 2, je crois. Et les bleus, c'est 5. Ok. Pourquoi pas? Alors, je suis tellement. Je reviens de Ratchet & Clank, du Let's Play Ratchet & Clank. Donc, je suis habitué au double saut, tu vois, pour aller plus haut. Et c'est vrai que sur Spyro, tu planes quand tu fais un double saut. Donc, c'est pas forcément facile, facile. Attends, là, je fais comment pour y aller? Ok. Les voilà! Dans Spyro, ce qu'il faut faire, c'est tu passes vraiment proche des diamants. Si t'es un petit peu trop loin, tu les as pas. Et ça, c'est assez dommage. Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Alors, on peut déjà faire le boss si je finis une zone. D'accord. Pourquoi pas. Alors la caméra est vraiment dégueulasse. Je suis pas habitué à... Alors t'as une porte là-bas aussi. Si tu veux. L'allée est obscure. Donc je te ferai... Putain, j'ai vraiment du mal avec la caméra. Alors un truc que je sais pas si on les... On vous a montré en vidéo déjà. Mais il y a un niveau caché. Voilà. Ça c'est la porte du niveau caché. Là, il y a encore un truc à aller voir. Comment ça? Bon, normalement on peut rentrer là. Bon, sinon faut faire d'autres niveaux avant. Bon, on verra bien. D'accord. Alors là, il faut les 10 dragons pour aller dans le monde d'après. D'accord. On va commencer par le premier monde et puis on arrêtera cette vidéo et puis jusqu'au prochain. Enfin aujourd'hui je vais tourner plusieurs vidéos. Tiens, on va aller voir là-bas. On n'y a pas encore été. Ah bah c'est là que je cherchais. Voilà. Alors on a notre quatrième dragon de trouver déjà. Spyro, appuie deux fois sur sauter pour planer et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça. C'est pas la peine de... Merde, je l'ai loupé. Il est où lui? Enfin, il est là-bas. Alors là-bas, je sais pas s'il y avait des diamants. On va aller voir tout de suite. Il y avait des diamants. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est magnifique tout ça. Y'a pas de coffre derrière. Ah, y'a des diamants par contre. Voilà, c'est vraiment le début, hein. Je fais attention à tous les diamants.
Même si par la suite ça ne sert quasiment à rien les diamants. Enfin, j'ai plus de souvenir que ça servait à quelque chose. La place du village, d'accord. Voilà. Voilà, on refait pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai 100 diamants sur 100 diamants. J'ai terminé le niveau à 100%. Donc il y a un monde là, mais c'est pas un des plus faciles. On va aller directement. On va aller faire le premier, celui quand on arrive, qu'on voit, tu vois. On est là. Donc ça, c'est vraiment le premier. Alors j'essaye vraiment de te faire les niveaux à fond. Si c'est pour passer et que je te fais pas le niveau à 100%, c'est pas très GG, tu vois. On va essayer de te le faire à fond. Après, si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Le principal, c'est d'avancer, c'est d'aller jusqu'à la fin du niveau, c'est d'avoir tous les dragons. C'est vraiment le principal, tu vois. Attends, hein, le jeu il se lance. Ouais, je savais pas qu'on pouvait faire des conneries avec le dragon. Petit looping qui fait plaisir. Attends, j'ai ma belle-mère. Enfin, mon ancienne belle-mère, pardon. Y'a pas de porte par ici. Et y'a pas de porte par ici. Bon, c'est du Spyro, hein. C'est pas du Call of Duty où t'es en train d'en chier. C'est un jeu enfantin, donc t'attends pas non plus à galérer ta race. C'est vraiment un jeu qui est plutôt simple, qui est... Voilà, c'est vraiment bien, tu vois. Moi, ça me fait kiffer. Alors, quand t'entends des... C'est un qui s'est sauvé avec des œufs de dragon. Enfin, je crois, si j'ai pas oublié. Eh, je les avais pas vus, hein, bande d'enfoirés. Moi, ça me fait rire encore tout ça, putain. En fait, dans ce genre de choses, faut pas me faire chier parce que moi, tu crèves direct, hein, mec. Alors on se dépêche, là j'ai vu qu'il y avait des deux. C'est pas un jeu où tu vas avoir des épisodes qui vont durer plus d'une demi-heure, sauf si je trouve pas un passage, peut-être. Mais en même temps, je vais te faire des ellipses. Hein. Alors là, je peux aller au-dessus. Hey, j'ai un dragon là, je l'avais pas vu. Spyro, mon ami, veux-tu un conseil pour planer? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. Ouais, ok, tu m'as servi à rien, mec. Je le savais déjà. Alors là, on va aller là. Je pense que ça peut être intéressant. Intéressant. On va aller au-dessus encore. Non, au-dessus on peut pas. Alors là, il y a aussi un dragon. Bon, on va y aller après. Là, tout à l'heure, j'attendais. Alors, je vous ai parlé d'un voleur de d'œufs. Voilà. Alors, il va très très vite. Il faut pas se louper.
Parce que si on se loupe, on se casse la gueule. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Putain. Et voilà. J'en ai chié, mais je l'ai vu. Alors là, on peut redescendre. Du coup, il n'y a plus de porte. Hein. On a eu ce qu'on cherchait. Donc là, on peut redescendre. On peut aller de l'autre côté. Alors là, on avait vu qu'il y avait un dragon. Oh. Ah, c'est vraiment du Spyro. C'est vraiment. Tu vas pas avoir le mob qui va te courir après si t'es loin, tu vois. Alors là, c'est pour rentrer à la maison. Quand je jouais, en fait, c'est quand tu. Libérer tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machinotruque. D'accord. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord. Ouais, c'est bon, hein, on va pas les écouter tout le temps. Avant, quand t'étais sur Play 1, ça te servait à sauvegarder aussi la partie. Alors voilà, là t'as un petit passage. On a une clé. Mais je sais plus c'est pourquoi la clé. Ah, c'est pour ouvrir la porte. Voilà, on a fait là et là. Maintenant, il reste la troisième porte. Il n'y a que trois portes, hein, ouais. Ah, peut-être dans le puits. Voilà. La clé, elle servait à ça. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. Par contre, je vois pas. Ah bah voilà. J'allais dire, je vois pas. Là, il manque un. Il manque un seul dragon. D'accord. Donc, on a fait là-bas, là-bas. Donc là, il reste là. On va ramasser ces diamants. Est-ce qu'on voit les diamants à récolter? Non. Ah bah si, 190 sur 200, il me manque 10 diamants. Bah merde, ils sont où? Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Ouais, il me manque une dizaine de diamants. Ça a été fait. Là aussi, ça a été fait. C'est la fin. Voilà, c'est la fin. J'ai tout ramassé. Là aussi, normalement, j'ai tout ramassé. Voilà.
Voilà, tant pis, hein, je pense que j'ai tout ramassé maintenant. Si j'ai pas, j'en ai oublié. J'ai peut-être été trop vite, j'ai peut-être oublié de buter quelque chose. Là, ça avait été ramassé. Y'a que là que j'ai peut-être été trop vite. Là on est... On a monté tout de suite. Là y'a pas de diamant. Là non plus. Là non plus. Là, c'est encore des diamants qui sont partis. Ouais, là c'est vrai que tu peux pas passer ici. Y aller. Ça fait 3. Bon, du coup, il m'en manque encore. Alors, on peut pas y aller. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon bah ça va être la fin de cette vidéo je pense. Hein. Là, je suis passé à côté comme un bleu. Voilà. Donc là il manque 2 diamants. C'est bon, hein, je pense. Bah, de toute façon, après j'ai fait le tour, j'ai dû oublier quelque chose. De toute façon, maintenant je vais peut-être trop vite. Hein. Et voilà, c'est pas grave. Bon, moi je vais te laisser là. Ça va être la fin de cette vidéo. Je vais encore à toi. Ah là là, c'est juste pour 2. C'est le premier niveau, j'arrive déjà pas à le faire à 100%, mais c'est quoi le délire?
En fait, dans ce jeu, ils aiment bien mettre, tu vois, les diamants dans les endroits les plus reculés. Toi, à la limite, t'es obligé de suivre la barrière là. Bah, c'est pas grave, on a fini. Je vais pas chercher pendant 2 heures. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. Allez. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Laisse-moi un maximum de pouces bleus, de commentaires si ça t'a plu. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un putain de retour dessus. Parce que moi, je kiffe vraiment faire ce genre de jeu. Enfin, c'est plutôt enfantin, c'est plutôt... moi, j'aime bien, tu vois. Donc, je te dis... à bientôt pour la suite de cette aventure, c'était Shaika.